allemand, 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 allemand. Aujourd'hui, jour numéro 13 et on part sur de l'afro. C'est samedi, on est là pour encore s'ambiancer. On y va, allemand, on y va, allemand, on y va. Et aujourd'hui, je suis en full inspiration là. J'ai envie de partir sur de l'afro, sur un mix entre de l'afro style Booba, Maes, et vraiment au refrain, rajouter une vraie touche africaine avec ma guitare préférée. Let's go, on se retrouve tout de suite. FL Studio, mais quelle question? Pourquoi tu te poses la question encore? FL Studio. Donc là, pour l'ambiance afro, on va partir sur un BPM 100-105. On va faire maintenant, c'est qu'on va trouver une mélodie qui correspond avec les accords. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que à l'inverse où avant on rajoutait des notes au-dessus de la mélodie, là je vais commencer par rajouter des notes en bas de la mélodie pour faire un début de basse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trouver une deuxième guitare pour accompagner la guitare acoustique. Et la mélodie me fait trop penser au son quinf. Vous savez quoi, ils font des dédicaces à tout le monde. Berry, retraité. Aujourd'hui c'est samedi, couvre-feu. Bon allez, on y va, on va faire les drums. Notre son, il est terminé. Je structure, mastering tout. Et ensuite, je vous envoie l'ambiance à la fin de la vidéo. Let's go. Yes, prod terminé. Bon, je vous laisse avec l'ambiance. C'était une bonne instru, j'ai bien kiffé faire ça. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Et surtout, si elle te plaît, pose ton freestyle dessus. Je concours un freestyle. Je repose candidature. Et après, on fait le P